Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier jour de la semaine, pour moi en tous les cas, pour ce vendredi 4 décembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors le message pour ce jour, c'est le moment présent. Alors le moment présent, bien, revenez au moment présent. Faites-vous-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Mesurez combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre devenir. Alors, être véritablement dans l'ici et maintenant, cela n'est pas aisé. Pourquoi? Parce que notre mental analytique doit être dompté, tout comme notre ego, n'est-ce pas? Cet état d'être, eh bien, quelquefois nous empêche de trouver le calme intérieur. Et c'est sans nous en rendre compte que nous sommes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes parce que nous sommes en train de ressasser. Alors aujourd'hui, cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Hier est passé, demain n'est pas encore là, donc vivons aujourd'hui. Centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité, et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Alors il n'est pas facile, dans notre temps actuel, dans ce que nous vivons, eh bien d'être dans l'instant présent, d'être dans le moment présent. Mais nous pouvons le faire, donc donnons-nous la possibilité d'être d'ici, là, maintenant, et le présent actuel. Alors pour bénéficier de l'extraordinaire puissance de l'ici et maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, lors de chaque action de votre journée, soyez exclusivement attentif à ce que vous faites comme si rien d'autre n'existait. Essayez de vous mettre dans cette bulle et que l'extérieur ne vient pas déranger, pardon, le moment exclusif ici et maintenant. Comme si rien d'autre n'existait. Et vous allez voir, vous allez vous sentir dynamisé et plein d'une force en vous, créatrice. C'est comme si vous faisiez une méditation et qu'il n'y a rien qui vous dérangeait à l'extérieur. Quand vous méditez, eh bien, c'est comme ça, c'est dans cet état-là que vous êtes.
Vivre le moment présent, c'est exactement la même chose. Ne ressassez pas ce qui s'est passé hier, avant-hier, il y a une semaine, parce que c'est passé. Vous ne pouvez plus rien y faire. Et demain n'est pas encore là. Encore une fois, je répète, dans ce que nous vivons, ce n'est pas facile, mais si on veut, on peut. Je vous souhaite une excellente journée. C'est quand même un beau message pour terminer cette semaine, le moment présent. Ça va peut-être vous faire réfléchir et peut-être faire ce travail sur vous, puisque c'est le but de prendre conscience des choses. Je vous souhaite aussi un excellent week-end dans l'amour, la tolérance, la bienveillance. Et puis, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures, des nouveaux messages. Je vous embrasse. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous. C'est tellement important. Et prenez soin de vous dans la douceur. Prenez soin des personnes qui vous entourent. Prenez soin de ceux que vous aimez. À tout bientôt.